Zami, frèm sèm, internaute qui a regardé nous dans la minute ça, nous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est serviteur frère Stako qui est avec vous après-midi pour nous faire un petit causer sur l'évangile. Alors, juste avant que nous commencions, m'a justement dit nous yon grand bagay. Non pas yon pasteur, non pas yon prédicateur, non pas yon bishop, non pas yon apôtre, non pas yon prophète. Suivant l'esprit monde ça. Mais devant Dieu, bon Dieu, nous connaissons qui est nous. Alors, si toutefois, on regarde où est titre, émission un peu paraît, les paraît un peu tordue, c'est parce que réellement, c'est ça que moi-même qui parle ensemble avec vous là. Parce que normalement, tout le monde qui décide de parler de Jésus-Christ, on va parler des fanatiques, tout disciple, tout le monde qui voulait parler de Jésus-Christ, Jean que te quitté parole, li pour nous. Jean que te enseigné apôtre yo même pour yo te bay parole là. Eh bien, le monde lui-même l'a qualifié nous de tous les noms. L'a qualifié nous de monde fou, l'a qualifié nous de tous les noms. Et au fur et à mesure que temps a avancé, au fur et à mesure que les hommes ont rentré dans le péché davantage, c'est au fur et à mesure tout que lorsque yon moun ou affiche ou en tant que chrétien, ou du moins ou affiche ou comme un serviteur de Dieu, ou du moins ou affiche ou comme un disciple Jésus-Christ, eh bien, y a considéré ou comme yon moun fou. Alors, je vous dis, moi-même, que bon Dieu fait grâce, pour une fronti cause avec vous après-midi, nous pral parler de l'évangile moun fou, l'évangile que Jésus-Christ t'a quitté. L'évangile que les hommes n'ont pas capable d'accepter, l'évangile qui fait que l'on doit être sous nous, hein? L'évangile qui fait qu'on mette nous en quarantaine, l'évangile qui fait qu'on rejette nous, l'évangile que précipité avec richesse monde ça, n'est pas capable de camper devant nous. Alors pour que moi situe exactement ça, m'bral dit dans le contexte, ensemble avec vous, m'bral justement partager une expérience que moi fais aujourd'hui, hein? Ou du moins si un bagage qui arrive de manière personnelle, c'est ça qui inspire me parler de sujet ça, ou du moins qui inspire me fait t'y causer ça ensemble avec vous. Matin, hein, comme à l'ordinaire, à chaque fois que nous gagnons un petit temps, ou du moins à chaque fois que bon Dieu mettait un bagage sous cœur pour nous partager, sous page là, ou du moins pour nous partager avec frère, avec soeur, nous toujours partager un verset biblique, ou du moins nous partager un bagage que bon Dieu lui-même lui mettait sous cœur. Dans le moment ça, il va vouloir toucher un monde, ou du moins il veut communiquer un message à un serviteur, une servante, eh bien, il est capable d'utiliser ou même qui a tant d'émissions, ça, même Jean tout, il est capable d'utiliser n'importe quel monde, parce que bon Dieu parlait de différentes manières. Eh bien, matin, pendant que moi levé, l'Esprit de Dieu te mettait sous cœur pour que je te partage passage qui est situé dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14. Ensemble avec internautes ou du moins ensemble avec amis nous. Et puis c'est comme ça, moi justement j'ai un poussé pour que me voie le bail autant de monde possible. Parce que normalement comme disciples de Jésus-Christ, nous pas de rester dans la distraction, nous pas de quitter Satan voler message nous et nous pas de tout quitter Satan intimider ou du moins voler tant que bon Dieu ben nous qui c'est un bagage qui est extrêmement précieux. Eh bien, 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14, qui ça lui dit, il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Maintenant, dans le moment de méditation que moi t'ai gagné lorsque moi t'ai levé, côté m'tap gade exactement après tout ça qui passé ensemble de calamités que concitoyens nous qui a vivent dans différents départements dans pays après passage cyclone ou du moins n'importe quelle pluie qui tombe ou gain impression tout le monde sous stress n'importe quelle pluie qui tombe ou gain impression que nous pral compter cadavre et n'importe quelle pluie qui tombe tout gain en pile monde qui pral faire beurre sous malheur l'autre monde. Et bien c'est comme ça l'esprit bon Dieu t'a inspiré pour que me partager passage ça avec différents frères axeurs ou du moins quel que soit moun que moi ouais quel que soit moun que moi rencontrer et bien de justement partager passer ça ensemble avec tout le monde pendant que m'a parlé m'a justement cherché faire recherche un bagage ensemble avec vous. Et bien c'est comme ça
Moi, j'ai un ami, ou du moins un ancien condisciple de classe, que nous étions dans l'école primaire ensemble. Et puis, c'est comme ça, moi, justement, j'envoie un message là-bas. Aussitôt que moi, j'envoie un message là-bas, et puis, lui-même, lui répond à un message ça. Lui répond à un message là, lui répond de manière qui est tellement, qui est un peu brutale. Brutale dans le sens que. Et mal comprendre que y a un monde comme si on n'a pas croyant, ou du moins un monde comme si on est capable de gagner, et ou gagner comme si exercer quoi que ce soit. Mais arriver dans un point tel comme si vous ignorez l'existence de Dieu, ou du moins si arriver dans un point par exemple pour que mon nom lui-même, l'État dit que bon Dieu pas existé, m'est capable de comprendre que il y a un pile peuple, il y a un pile nation qui très très avancé, ou du moins le matérialisme, ou du moins la richesse, ou du moins le niveau de progrès scientifique, ou du moins l'ensemble de problèmes qu'ils résoudent, capable de faire oublier le premier commencement, yo, ou du moins capable de faire oublier la première goutte la pluie qui t'a fait payer au vin puissant. Mais pour nous autres qui sommes à Haïti, pour nous-mêmes, serviteurs qui parlent ensemble avec nous là, qui c'est résultat d'un miracle, qui c'est résultat d'un prodige. Parce que normalement, dans la famille côté me sorti ou du moins dans le quartier côté me lever ou du moins dans le milieu côté me sorti, je dis à m'pata supposé y a un monde qui a parlé de l'évangile ciel, m'pata supposé y a un monde qui a parlé de l'évangile grâce, m'pata supposé y a un monde qui a parlé de doctrine Jésus-Christ est mort qui était pour nous. Parce que pendant toute la vie, il y a un pile déviation qui vini, surtout comme si dans le milieu scolaire côté de l'école, côté il y a des monde par exemple qui appartenir comme s'il y a des sectes philosophiques, des sectes et autres différentes sectes, eh bien ensemble de bagages ça c'est ça que moi côtoyé pendant une bonne partie de la vie. Ça veut dire que comme étant donné que la main de Dieu lui-même est sous moi, la main de Dieu l'était grand choisi bien avant que m'étais rentré dans le monde ça, la main de Dieu l'était grand mettait dans position à pas pour que moi servile. Eh bien, malgré toute courbe, ou du moins malgré toute difficulté que me rencontrer, ou du moins malgré toute mauvaise lumière, fausse lumière qui vient sur le chemin pour dérouter de la vérité, eh bien, la main de Dieu lui-même l'étape conduit pas à pas. Maintenant, moi, je comprends que un jeune Haïtien, avec toute contrainte, toute difficulté, tout ça que nous connaissons comme peuple dans l'histoire, nous sommes un peuple côté histoire, nos cultures, nous les marquons avec un paquet de bonnes bagailles qui maléfiques, qui les marquons avec un paquet de bonnes bagailles qui relatives à un ensemble de mauvais esprits, du moins un ensemble de méchants. Et d'ailleurs, si toutefois, nous ne sommes pas capables d'ignorer que même indépendance pays, nous l'île dans l'histoire, nous justement, nous imbu de ça, nous connaissons qu'il y a un gros sacrifice qui fait côté de livrer nation, ça, ou du moins peuple, ça, lui-même. By Satan, by diable, by les principautés ou du moins les puissances de l'air. Maintenant, histoire peuple, histoire nous en tant que peuple, lit presque similaire ou du moins capable de lire similaire même gens avec peuple Israël là. Dans un premier temps, lorsque bon Dieu finit retirer dans l'esclavage, lit mener dans la terre promise. Eh bien, où est peuple ça lui-même était tourné dos bas bon Dieu, il était servi d'idole, il était qu'on fait sacrifice humain, il était qu'on prend petite les passer petit sous du feu pour qu'elle offre des sacrifices à des dieux, ou du moins à des divinités, tant que Moloch, tant que Baal, avec toute l'autre divinité que vous avez servi dans le moment ça. Eh bien, bon Dieu lui-même, heureusement, il est toujours lorsque le peuple, ou du moins la nation, arrive dans un moment qui est tellement banal, apostasie, il est toujours suscité des hommes, il est toujours suscité des mondes pour que les voyez un avertissement à peuple. Et c'est concernant 2 Chroniques chapitre 7, Korem Sotlibaou, là, côté l'Éternel des armées, il déclare, il dit que si peuple moins que nom, il évoque nom, il détourne de mauvaise voie, ou du moins de ça qu'il a fait qui n'est pas bon, moi-même, m'attendais le côté mien dans demeure 7 moyens, m'a pardonné péché et m'a justifié. Eh bien, même moi, j'étais quoi comme haïtien, c'est une bagaille que. Pays nous besoin de tourner dos, nous besoin de virer dos by œuvre, ça n'a fait fait noir. Nous besoin virer face nous by bon Dieu, parce que normalement, dans la situation que nous descendons, eh bien c'est seulement bon Dieu lui-même qui est capable de retirer nous là-dedans. Pour que moi situer exactement ça m'a dit là dans le contexte, et puis
Zami, hein, ou du moins son disciple là, ou du moins ancien disciple là, li voye un message mon moi côté li fait me comprendre que ensemble de bagaille que nous a parlé de l'évangile ou du moins ensemble de bagaille que nous a parlé du retour de Jésus-Christ ou du moins ensemble de bagaille que nous a dit qui en rapport avec la Bible, eh bien il dit que c'est de la pure aliénation mentale que lié. Lorsque on utilise aliénation mentale, ça veut dire que c'est moun qui a divagué. C'est moun qui a dit ça que yo pas connaît ou du moins c'est moun fou que yo. Et bien lorsque zanmi hein, li voyait message à ben moi, de justement avec maîtrise de soi que bon Dieu ben moi. D'ailleurs, m'a présenté au monde la parole de Dieu sans que me pas à rentrer dans personnalité, on m'a présenté la parole de Dieu avec toute sagesse, avec tout ça que bon Dieu bail comme zam, m'a présenté la parole à quiconque, quel que soit moun qui veut l'entendre ou pas, m'a présenté la parole aux gens que li. Et bien lorsque zanmi lui-même lui fait déclaration ça, ça t'a poussé me réfléchir. Il y a un passage que moi joint dans la Bible que moi lis, que me noter exactement dans carnet, qui trouvé dans 1 Corinthiens chapitre 1er, moi va lire les versets 18 jusqu'au verset 25 ensemble avec vous pour me capable situer exactement ça nous tendait pas l'évangile monde fou. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er le verset 18, et même qui ça apôtre Paul lui-même déclare. Il dit car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alors, frères et sœurs, amis, pas étonné lorsque vous présentez l'évangile à un monde, monde considéré comme monde fou. Pas étonné lorsque vous présentez la parole à quel que soit monde, monde considéré comme un monde qui a divagué ou du moins les considéré comme un monde qui a supposé prendre pour faire maintenant un centre psychiatrique parce que normalement apôtre Paul li déclare dans passage ça que me soutenir ensemble avec quoi il dit que la prédication de la croix sont folie pour monde qui a péri que lié. Mais pour nous mêmes qui croyons en bon Dieu, pour nous mêmes qui rete campé sur fondement, pour nous mêmes qui rete campé sur parole là, pour nous mêmes qui pas prostituer nous avec la Babylone religieuse, pour nous mêmes qui a servi bon Dieu, gens que le mandé pour nous servir sans que ne pas faire aucun compromis, eh bien, li c'est une puissance. Et même puis devant, lorsque vous allez dans même 1 Corinthiens chapitre 1er, vous allez descendre plus bas. Si vous allez tout reste et verset vous capable d'approfondir pour compte. Mais maintenant, on va aller dans verset 25 ensemble avec vous. Côté l'idée côté apôtre Paul déclaré car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça veut dire que frère Maxime, zanmi qui a attendé ou du moins qui a regardé émission ça qui a regardé live ça. Ou même qui voulait servir bon Dieu avec tout cœur, ou même qui voulait suivre, qui voulait marcher dans principe bon Dieu, yo, ou c'est un monde fou même gens avec. Le monde a pointé nous comme monde fou, le monde a pointé nous comme des monde qui a parlé des bagailles que yo pas qu'à toucher, que yo pas capable manier, que yo pas capable justifier. Mais lorsque ou regardez exactement création. Là, regardez exactement, bon Dieu créé tout bagaille dans un niveau de perfection extraordinaire. Et c'est pas sans raison qui fait que l'homme tellement enquête pour le connaître exactement mystère ça ou du moins bagaille ça qu'il pas capable expliquer, que il a tenté expliquer avec des formules ou du moins avec des expériences scientifiques, que il pas capable river ba une explication. À chaque fois que yo vini avec une hypothèse, eh bien hypothèse la pa campé debout ou du moins même moun qui développait hypothèse a li senti gen un tourment ou du moins gen un vide en dedans qui fait que yo toujours a remettre un ensemble de hypothèses en question. C'est pas sans raison qui fait que ouais, l'homme a investi des milliards de dollars dans projet de recherche, yo, des milliards de dollars dans exploration scientifique, yo, il a envoyé des sondes, il a envoyé des satellites, il a envoyé des objets dans l'espace pour que yo essaye à comprendre est-ce que nous pour compte nous en dans univers là. Et c'est pas sans raison où est tout, il y a des thèmes qui a émergé davantage, il a parlé de univers parallèle, il a parlé de monde parallèle, il a yo fait un ensemble de films ou du moins un ensemble de bagaille, un ensemble de et production sur ensemble de bagaille ça. C'est parce que l'homme n'est pas capable ou du moins n'est pas jamais arrivé pour saisir la dimension de bon Dieu ça que nous observons ça. La dimension de bon Dieu ça qui bénit d'éternité en éternité,
la dimension de bon Dieu, ça qui fait toute bagaille à la perfection. En un système solaire là, considérez exactement la planète Terre. Seule planète qui a trace de vie sous lui. Seule planète côté existence possible. Seule planète côté toutes conditions, toutes lois physiques qui ont réuni pour que les favoriser l'existence. Ou pas joindre aucune autre planète comme ça en un système solaire là. Et les scientifiques ont dit que dans position la Terre placée, s'il était placé à quelques millimètres près, eh bien la vie pas possible. Ça veut dire que les placer dans position idéale pour que la vie possible. Comment faire un monde scientifique ou du moins si on savait, un homme de science ou du moins des monde qui relaient des sages pour monde ça, mais qui c'est des monde fou devant la sagesse de Dieu. Comment faire un monde capable de camper pour oser dire que Dieu n'existe pas? Comment faire que un monde capable de camper pour oser dire que Jésus-Christ n'a jamais existé? Et comment un monde capable de faire oser pour camper pour dire que Sodome et Gomorrhe n'a jamais existé? Les preuves sont là. Recherche archéologique qui prouve tout bagaille ça yo. Recherche histoire prouve tout bagaille ça yo. Mais ça pas empêché que ensemble de monde ça que Satan lui-même aveuglé. Ensemble de monde ça que Satan lui-même li voye une fausse lumière ou du moins li a baio une fausse sagesse, sagesse selon monde ça. Eh bien ou après que il a vinn avec des hypothèses, il a vinn avec des théories, il a vinn avec des courants de pensée, il a vinn avec ensemble de bagages ça pour que il est capable perdu le maximum de monde. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous-mêmes que bon Dieu connaît d'avance, nous-mêmes que l'y relais, nous-mêmes que l'y justifier, nous-mêmes que l'y glorifier, eh bien, bagay sa yo, yo parité secret pour nous. C'est ça que fait. La Bible dit que nous glorifierons mon Dieu parce que ensemble de bagay sa yo, l'y caché au grand de ce monde, l'y caché au sage de ce monde, mais li révélé à nous-mêmes qui c'est des fils, li révélé à nous-mêmes qui c'est des filles. Frères et sœurs, l'évangile monde fou, c'est ça que nous voulons faire. L'évangile monde fou selon Dieu, c'est ça que nous voulons faire. Nous pas compromettre tête nous. Nous pas faire alliance, nous pas faire pacte. Nous connaît que parole ça va choquer en pile monde. Et nous connaît tout ensemble de parole ça yo. De plus en plus de monde a fui de vrai l'évangile. Et c'est pas sans raison qui fait tout serviteur ou du moins sous servante que bon Dieu a utilisé puissamment, qui pas prêt aller dans le sens de la foule, qui pas prêt aller dans le sens courant monde ça, ou après que ça que y a proclamé, y a combattu. Mais heureusement, l'évangile toujours était victorieux. Frère Stako qu'a passé. Bon Dieu carré le jour dit, n'importe bagarre qu'a passé, mais l'évangile qui était posé, fondement que Jésus-Christ lui-même l'a posé, a pu te poser, eh bien, c'est un fondement inébranlable que lui. Alors, montez justement, dans ce moment ça, encouragez tout le monde, tout frère, tout ceux qui a prêché l'évangile sur Internet, tout frère, tout ceux qui pas prêché l'évangile poche, tout frère, tout ceux qui pas prêché l'évangile ventre, tout frère, tout ceux qui pas prêché l'évangile nouvel âge ça. Tout frère tout ça qui pas prêcher la réussite par nous-mêmes. Parce que les hommes inventent un ensemble de courants de pensée, l'humanisme fait nous comprendre que l'homme c'est lui-même qui propre Dieu tête lui, ça veut dire que nous capable faire toute bagaille de par nous-mêmes, nous capable réussir, nous capable faire toute bagaille de par nous-mêmes. Mais Jésus-Christ dans parole il déclare, il dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et il y a les plus devant, il dit que qui ça t'a servi à un monde pour t'a gagné tout le monde ça, mais il t'a perdu un homme. M'encourage au frère Msem, à quel que soit niveau que bon Dieu place, à quel que soit niveau que bon Dieu a utilisé, rete campé solide sous vérité. Parce que vérité, c'est Jésus-Christ. Vérité, c'est parole. Avant que nous terminions, il y a deux illustrations que je voulais partager ensemble avec vous. Moment que nous avons vivre dans moment que nous avons vivre sous terre, moment ça yo, côté où tout le monde plus a branché sur le matériel,
côté tout le monde a branché sur bagay qui fait sens yo plaisir, côté tout le monde plus branché dans bagay qui indigne, bagay qui te kon fait en secret que a mettez en plein jour. C'est pas la première fois que la terre elle même la connaît des moments comme ça. Et lorsque on lit la Bible ou lorsque on lit dans Genèse chapitre 19, eh bien ou est que à chaque fois niveau de péché à arriver à une dimension telle bon Dieu décide pour détruire une ville, pour détruire la terre, eh bien les toujours relé une famille, les toujours relé un monde qui est responsable, un monde qui baï famille une ligne de conduite, un monde qui baï famille une direction suivant la parole de Dieu. Et c'est ça que fait lorsque Sodome avec Gomorrhe t'est arrivé dans dimension côté, yo t'a commettre des péchés, des bagages qui abominables, des bagages que la Bible relé des confusions, des abominations. Bon Dieu t'a décidé détruire ville ça yo. Eh bien, il y a un homme que il était averti que il pral détruire ville qui c'était l'eau. Et il te bail l'eau des instructions pour que l'eau te suive avec famille. Ou pour il pas relé l'eau seulement comme une personne. Mais il te relé l'eau, il te mandé l'eau pour prendre famille pour que yo sorti pour yo quitter ville là parce que il pral déverser un déluge de feu sur Sodome avec Gomorrhe. Mais malheureusement, ou al gade dans histoire là où est que madame l'eau côté qu'elle était tellement attachée à bien qu'elle était possédée. Madame l'eau côté qu'elle était attachée à ville là ou du moins sa zamita et cocodaille qu'elle était gagné. Madame l'eau côté qu'elle était attachée à sa côté matériel. Bon Dieu t'est passé au lord express pour que yo t'est allé sans que yo pas de virer garde derrière. Eh bien, madame dans lui-même il était viré gel pour garder pour le bel caille. Pour garder pour le bel pâturage, bel mouton, bel bagaille qui a détruit. Eh bien la Bible lui-même lui mentionné que lui tourné un statut de sel mal sous ville ça. Eh bien, ça qui pas retenu attention en dans passage ça dans histoire ça c'est que même lorsque madame l'a tourné un statut de sel, ça pas fait le vieux gars derrière pour te même penser à sauver madame non parce que l'ordre que bon Dieu te bail là, il était clair, il était précis et il était concis. Eh bien où est l'eau avec malgré le chagrin, le amertume dans quel madame ni peut-être qui c'est l'autre moitié, eh bien il était continué malgré tout respecter ça mettre là te dit à ça bon Dieu te bail comme l'ordre. Tout ça pour me dire frère, ce ami qui a regardé. Si on fait l'évangile c'est sous monde qui a regardé. Si on fait l'évangile c'est approbation monde qui a cherché. Si on fait l'évangile c'est cocodaille ou du moins c'est amitié monde qui a cherché. On passer loin de chemin qui mène vers salut. Mais monde qui a servi Jésus-Christ, c'est monde qui mettait l'ordre, c'est monde qui structurait famille, c'est monde qui élevait petite dans la crainte de la parole de Dieu, qui élevait petite dans la vérité, qui élevait petite dans la droiture, côté quel que soit ça qui a passé à travers le monde. M'pas besoin qu'on dans qui quartier qu'on habite, m'pas besoin qu'on dans qui zone qu'on habite. M'pas besoin qu'on zip code, mais seul bagage que m'connais. Sous c'est youn qui a servi mon Dieu ou qui habite dans mauvaise zone, mais petit tout, yo vini des citoyens, yo vini des serviteurs, yo vini des servantes de Dieu. Et deuxième histoire, ou regardez où lorsque bon Dieu décide de détruire toute la terre, li relé Noé, li ba Noé instruction pour Noé construire l'arche là. Malgré les hommes t'a moqué Noé parce que Noé monte sous tête au monde pour la construire une arche. S'il était construit bon une mer ou d'une bon une rivière, il était capable de comprendre. Mais bon Dieu bal instruction pour le monter sous tête montagne là pour la construire une arche. Et c'est comme ça? Ouais, monsieur dame, yo t'a prend plaisir yo, yo t'a fait toute qualité bagaille, yo t'a dit Noé toute qualité bagaille. Mais petite Noé qui était en travail là qui t'a aidé papa yo construire, yo t'est resté dans la soumission, yo t'est resté dans le respect. Malgré le monde t'ap considéré comme des monde fou, mais yo même yo konn ki es papa yo ye, et yo konn ki es bon Dieu que papa yo observe. Alors les jours de Noé sont proches, frères et sœurs, parce que nous dépassons niveau Sodome là déjà, nous dépassons niveau Gomorrhe là déjà. Regardez dans télévision tout ça qui a passé, regardez ensemble de loi qui a voté, regardez kounya même yon ti moun 14 ans gen droit pour demander parents pour émanciper de autorité parentale là. Regardez tout ça qui a passé. Les jours de Noé sont proches, frères et sœurs. Seul ça que je suis capable de dire. Retiens ce que tu as. Rete ferme dans la parole. Rete ferme sous le rocher.
rete ferme malgré les hommes, malgré le monde. Yo considère au mal, malgré le monde. Yo dit toute qualité bagaille de ou même, mais qui des yeux fixés sur bon Dieu que vous avez servi. Parce que, même Jean Salmis l'a dit, n'a pas levé les yeux vers la montagne là, parce que nous connaissons la secours nous avons sorti. Ou même, quel que soit le moment difficile que vous avez traversé, quel que soit ça que vous connaissez en persévérance, quel que soit ça que vous connaissez comme situation, qui des yeux fixés sur le monde qui est là. Parce que c'est lui-même qui gagne couronne, c'est lui-même qui gagne rémunération, c'est lui-même qui gagne. Ti roche tout blanche lan li pral écrit non sous li non nouveau que la baoua. C'est lui même qui pral place en dans la nouvelle Jérusalem là. Et qui des yeux fixés sur Jésus-Christ. Moi même qui parle ensemble avec ou là m'dou yo dou ça. M'ka faillible, m'ka faire un erreur, m'ka tomber. Mais si là qui relo qui c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le parfait. Li c'est si là même lorsqu'il t'a accepté prend apparence humaine là pour te venir sur terre ça pour te demeurer parmi des pécheurs. Mais il pas de jambe péché qui des yeux fixés sur lui-même. Prends soin famille ou instruit ti moun yo instruit madame ou rete dans la prière rete sous genou et moi bon garanti au dernier jour lorsque bon Dieu lui-même li a remettre des couronnes là pour remettre et des trophées eh bien l'a dit ou bon et tendre serviteur entrez dans la joie de ton maître. Que bon Dieu bénisse ou que bon Dieu garde ou partagez émission ça et comme ça nous capable propager l'évangile là plus moun capable tendre le quel que soit vous voulez combattre lui, mais l'évangile là toujours est en du feu, la paix chemin. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, nous une prochaine fois. À la gloire de Dieu.